60 secondes pour en apprendre plus sur le foot US, c'est parti. Aujourd'hui, on parle du drive. Alors le drive, c'est simplement le nom de la succession d'actions effectuées par l'attaque. On parle aussi de série offensive. Lors de ce drive, l'attaque dispose de 4 tentatives, appelées également des downs, pour parcourir un minimum de 10 yards. Si elle y arrive, elle obtient un first down, et donc une nouvelle série de 4 tentatives. Les first downs s'enchaînent ainsi jusqu'à ce que l'attaque arrive dans la end zone adverse pour le touchdown, ou alors qu'elle soit arrêtée par la défense adverse. L'attaque est dirigée par son quarterback, et pour avancer dans son drive, elle dispose de 2 façons de faire, la course ou la passe. L'un des drives les plus mémorables de l'histoire de la NFL reste celui du quarterback Joe Montana lors du Super Bowl 23 en 1989. Où avec 3 minutes 10 à jouer, le quarterback des 49ers orchestre un drive de 92 yards et 11 jeux pour finir sur un touchdown qui acte la victoire de son équipe 20 à 16. Bon allez, moi je vous laisse là-dessus, à bientôt sur TEDxActu.